Si vous êtes avec votre la Bible, il y a des choses qui vont vous aider à avancer et nous allons traverser des points pour que la bénédiction de Dieu soit sur chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Comme c'est déjà dit, j'ai un rêve, j'ai une vision, j'ai un but, j'ai un objectif, j'ai quelque chose à viser. Des jeunes atteindront le sommet. Gloire à Dieu. Nous pouvons le faire ensemble. Combien d'entre vous connaissent les mathématiques? Restez là-bas. Si moi, j'ai 1000 jeunes ici, 1, 2, 3, 4, 5, vous êtes là? Si vous vous remettez entre les mains du Seigneur en disant, le premier mois après ce programme, que vous allez gagner un jeune au Seigneur, un seul jeune. Que tout le monde dise un seul. Avec 1000 gagnants, un, nous aurons gagné 1000 autres. En un mois, nous serons ensemble 2000. Le mois suivant, le deuxième mois, étant 2000, vous vous engagez encore que les gens soient à l'église ou dans votre entourage ou bien dans votre classe. 1, 1, 1, 1. 2000 vont gagner 2000. On devient 4000. Le troisième mois, alors on a maintenant 4000. Multiplié par 2, ça fait 8. Deuxième mois, 16 000. Le mois qui suit encore. Et l'autre mois qui suit encore, on aura 128 000. Le mois qui suit, 256 000. Le mois qui suit, nous sommes là. Et nous pouvons le faire tous ensemble. Je dis, nous pouvons le faire tous ensemble. Si vous voulez joindre votre cœur, votre personnalité, votre esprit avec moi, disant que nous allons gagner ce pays au Seigneur, où êtes-vous? Père, au nom de Jésus-Christ, j'ai le regard vers toi à ce temps-ci. Nous prions que tu fasses de grandes choses dans la vie de ces jeunes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous réclamons ce pays pour Jésus-Christ. Tous ces jeunes filles et garçons, nous les réclamons pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu fasses une grande œuvre de transformation dans leur cœur. Je prie que ce jour soit un tournant décisif dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Amène-nous au top et donne-nous une vie brillante, un avenir prometteur. Un pays radieux, une église brillante. Nous allons sentir cela dans toute vie. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci beaucoup. Nous allons voir Luc 15. En Luc, chapitre 15, je vais vous lire trois versets. En Luc 15, ouvrez la Bible. Le premier verset, c'est le verset 11. Luc 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Ici, le Seigneur Jésus enseignait les gens et il voulait leur montrer que le monde entier est divisé en deux fils. Toute la société est divisée en deux parties, deux fils. L'église est divisée en deux parties. Deux fils. Comme vous êtes ici, oui, que vous soyez ici ou à l'autre bord, que vous soyez d'une part ou d'autre. Alors nous avons deux fils. Voyons ce qui est arrivé à la première personne. Verset 22.
Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » C'est ce qui était arrivé au plus jeune. Verset 31. Voilà ce qui était arrivé à l'aîné. « Mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Si vous prenez ces deux versets de l'Écriture et vous comprenez que nous tous qui sommes ici, nous sommes divisés en deux, que vous soyez le premier ou le deuxième. Le premier, il dit qu'il est revenu à la maison, il a dit, il s'est dit, amenez le meilleur. Le meilleur vous attend. Et puis, c'est dit au deuxième, tout ce que j'ai est à toi. C'est l'abondance. L'abondance vous attend cette année. Vous pourriez être le numéro 1, vous pourriez être le numéro 2, que vous soyez le numéro 1 ou le numéro 2, un avenir prometteur vous attend et quelque chose de puissant, de merveilleux attend chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais vous dire, raconter une histoire comme on voit l'histoire. Vous allez voir que la première personne dont nous parlons, bien que le meilleur soit arrivé, oui, les choses ne sont pas normales, bonnes ou favorables dans sa vie. Voyez votre vie, votre passé. Vous dites, mais oui, je suis une déception pour moi-même. J'ai fait des erreurs. Et j'étais comme une fille prodigue, et un fils prodigue, et un étudiant, un collégien prodigue. Je n'ai pas bien fait. Mais je vais vous dire que nous allons prendre ta vie ce matin qui n'est pas bonne. Et ta vie deviendra la meilleure au nom de Jésus-Christ. On voit l'autre là qui est resté à la maison, qui vient à l'église, qui fait tout ce qui doit être fait. Et il est un bon garçon, une bonne fille, toute chose va bien, mais il a des doléances à porter. Je suis ici à tout moment, tu ne m'as rien donné, tu ne m'as pas donné ceci et cela. Peut-être tu es là que je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, je viens chaque fois ici, mais quand je suis malade, je prie, je ne suis jamais exaucé. Quand j'ai besoin de l'argent, je prie, il n'y a rien qui se produise. Mais qu'il y a des miracles, des témoignages, il n'y a rien de bon qui me soit arrivé, mais je suis de mes meilleurs, mais nous allons changer cela maintenant. Quelque chose va vous arriver. Si vos prières n'étaient jamais exaucées, ce jour, vos prières seront exaucées. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de puissance, pas de prospérité. Aujourd'hui, il y a quelque chose pour vous. Il faut dire, il y a quelque chose. Quelque chose m'attend. Vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Avez-vous un bic pour écrire? Je vous parle du thème jouir du meilleur de Dieu, jouir du meilleur de Dieu et d'un avenir prometteur. Jouir du meilleur de Dieu et d'un avenir prometteur. Je vais diviser le message en trois parties. Premier point, c'est la représentation pitoyable d'un jeune corrompu. Ce jeune dont nous parlons, oui, bien qu'il ait bien fini, mais il a commencé sur une note de corruption. Voyons verset 22 en Luc 15. Voilà le verset 22. Voilà ce qui lui était arrivé finalement. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Pour qui? Je dis pour qui? Le meilleur vous attend. Et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. C'est là qu'il a fini. Et laissez-moi vous montrer et le commencement. Ce garçon, peut-être une fille, voilà le verset 12. Maintenant, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père le partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Voici un jeune, un garçon tel que vous, tel que l'un d'entre nous ici, a abordé son papa. Je suis fatigué de ce contexte.
contrôle à la maison, l'autorité à la maison. Faut pas faire ceci, faut pas aller ici, faut lire ta Bible, faut prier, lève-toi. Moi, je suis fatigué de cela, j'en ai marre. Donne-moi ce qui m'appartient, je vais m'en aller. Le père l'a supplé, l'enfant ne va pas se laisser à son père. Il ne va jamais même répondre à son père. Il ne va même pas donner une bonne réponse. Alors, le père a tout divisé que voici ta part. Et puis, il a quitté la maison. Et puis il s'est rendu à un pays lointain où personne ne peut avoir contact avec lui pour lui prodiguer des conseils ou l'instruire. Et là, il a dissipé, il a gaspillé tout son bien à la débauche. Une vie criminelle, une vie pécheresse, une habitude mauvaise. Et verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. C'est l'histoire de cette représentation pitoyable d'un jeune corrompu. La représentation ou bien le représentant ou bien représenté. Oui, ce jeune représente beaucoup de personnes déjà corrompues dans leur voie. Comme on voit l'histoire de cet enfant, c'est ce que je vois numéro 1. Oui, c'est quelqu'un qui est égocentrique. Moi seul, moi, je m'en fiche de ce que papa dit. Et il est content ou pas, ou bien maman n'est pas content aussi. Moi, je m'en fiche de ce que les autres disent, que ceci va bien ou ça ne va pas. Moi, pour moi, je vais faire ce que je veux. Je vais aller là où je veux. Faire ce que je veux moi-même. Je veux fumer, je fume. Je ne veux pas que quelqu'un me contrôle, que c'est mauvais. Je veux boire. Faut pas me dire que c'est mauvais. Je veux faire ce que je veux. Alors je veux aller à un lieu lointain où personne ne me verra, où personne ne prendra contact avec moi. Je veux faire ce que je veux moi-même. Je veux être le contrôleur de ma propre vie, le capitaine de mon vaisseau. Numéro 1, c'est l'égocentrisme. Et l'égocentrisme ou bien l'individualisme. 2, ça c'est l'obstination. Comment peux-tu faire comme ça? Je dis, mais je veux. C'est ce que je veux faire. Ceci va briser le cœur de ta mère. Que le cœur de maman soit brisé ou pas, c'est ce que moi je vais faire. Je vais faire ce que je vais faire. Alors, il semait une mauvaise semence. C'est ce que l'on sème, c'est ce que l'on aura semé, que l'on moissonnera. Si vous semez une mauvaise habitude, un mauvais caractère, on moissonnera de mauvais fruits. Si on sème quelque chose de un mauvais caractère, on moissonnera quelque chose de mauvais. Je prie que cela soit révoqué dans votre vie ce jour au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, je vois là-bas l'égocentrisme. Si vous allez réussir dans la vie, il faut que le moi soit ôté de la vie et permettre à la vie de Christ ressusciter en nous. Lorsque vous vous repentez, cela va se passer. Vous dites, mais Seigneur, y a-t-il quelqu'un ici qui ne soit pas égocentrique? Moi, je vais faire ce que je veux, dire ce que je veux. Ce qui veut me donner le plaisir, c'est ce que moi je veux. Que les autres soient contents ou pas, moi ça ne me dit rien. Numéro 1, l'égocentrisme. Numéro 2, c'est l'obstination. Numéro 3, c'est la séparation. Il s'est séparé que moi, mais je suis libre maintenant. Bonjour, pas de réponse. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Il n'y a pas de réponse. Je suis très là dans le lointain. Il y a des jeunes, ils n'ont pas voyagé très loin, mais dans leur esprit, ils ont voyagé très loin. Dans la relation, ils sont très loin. Ils ne sont pas en communication avec personne. On ne peut pas les atteindre. On ne sait pas ce qui est dans leur esprit. Alors, ils gardent leurs pensées, leurs projets, leurs plans, leur amitié, leur email. Ils gardent toutes choses à eux-mêmes. Oui, bien qu'on puisse les voir physiquement, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les toucher. Ils ne sont pas proches. Ils sont proches, mais ils sont loin.
C'est cette séparation, qu'ils se sont séparés de la lumière, ils sont séparés de l'instruction de leurs parents, ils sont séparés de l'église, ils sont séparés de tout ce qui est bon. On ne peut pas les toucher. Alors on ne sait pas, ils ne savent pas que, comme ils font cela, qu'ils voyagent vers le lointain. Il y a une famine dans le lointain, il y a la pauvreté dans le lointain, il y a la souffrance dans le pays lointain. Aujourd'hui, je vous ramène. Et vous allez dire, non, je vais retourner, je vais revenir à la source de l'abondance et à la source de mes bénédictions, à la prospérité dans tout domaine. La prospérité vous attend au nom de Jésus-Christ. Numéro 4, c'est le péché social. Arriver au pays lointain, que maintenant, je suis ici, je suis libre ici, maintenant, il n'y a pas d'intrusion, il n'y a pas de contrôle, maintenant, il n'y a personne pour dire que selon tel chapitre et tel verset, voici ceci est bon, ceci est mauvais, moi je m'en fiche de ce qui est bon, ce qui est mauvais, je veux seulement maintenant jouir de ma vie ici. Et puis, si la fumée, si la cigarette doit amener le plaisir, je dois faire cela, si c'est boire ou bien me joindre à un gang, où ça va, c'est l'occultisme, je vais tout faire, alors je me laisse à moi-même et la vie est dévergondée et tout ce qui est dans sa vie est totalement renversé, il n'y a pas de contrôle sur sa vie et il est rentré dans ce péché social. Ce péché social, c'est le péché de la société, ce que les gens font. Toi aussi, tu es à Rome, tu fais comme les Roms, tu es à Babylone, tu fais comme les Babyloniens, tu es maintenant à Chaldée, tu fais comme les Chaldéens, tu es en Égypte, tu fais comme les Égyptiens. Et voici ce qui arrive à cet enfant. Le péché de la société a pris sa vie et finalement, il est revenu à ce que j'appelle maintenant l'esclavage. La liberté qu'il a à la maison n'y a plus. Alors maintenant, il s'est affilié à quelqu'un dans le pays et quand il va là-bas, le travail qu'il ne faisait pas à la maison, il est forcé de faire cela, c'est l'esclavage. Il y a plusieurs personnes qui s'engagent dans ces péchés de la société, qui ne savent pas que ceci va les asservir. Quand quelqu'un devient esclave à l'âge, à 10 ans, c'est terrible. À l'âge de 17 ans, esclave, c'est terrible. À l'âge de 20 ans, devient esclave, c'est très terrible. Et j'ai appris d'une expérience faite par les scientifiques, c'est un éléphant. Et l'éléphant là, lorsque l'éléphant là mettait bas, avez-vous une fois vu l'image d'un éléphant merveilleux, vous, bonne fille, bon garçon, il faut dire je suis bon, il faut dire je suis bon. Lorsque l'éléphant mettait bas et l'éléphant lorsque l'éléphant était né et il y a une corde qui était liée à la patte de l'éléphant. L'éléphant ne savait pas que ça c'est un lien et l'éléphant a la chose au pied. Et voilà, vous savez que quand on trace une ligne d'ici, une ligne du centre à 100 mètres du centre jusqu'à quelque part, donc l'éléphant bouge, mais ne sachant pas que le cercle là est très petit. Et alors, il y a un grand monde dehors là-bas. Alors on a ce petit cercle parce qu'on peut aller ici 10 fois, 100 fois. On va à ce côté, on va à ce côté. On croit qu'on est libre. Alors que réellement, il y a l'esclavage là-bas. Et comme l'éléphant grandissait, la chaîne a été ôtée. Et on a mis un petit corde là-bas, c'est la chaîne qui était mise là-bas auparavant. Maintenant, on a mis maintenant une corde. Mais parce que l'éléphant ne savait pas que la chaîne était ôtée, maintenant, comme l'éléphant s'est habitué à cela, il ne sait pas que la chaîne est ôtée, mais voici maintenant, c'est la corde. Il peut s'en aller, mais comme il s'est habitué maintenant, il sait que voici cette petite habitude-là, que tu fumes, que tu bois, alors Tu grandis, maintenant tu es grand maintenant. La chose là, personne ne te contrôle, mais la chose là te contrôle. Alors, la mauvaise habitude qui te contrôle sera brisée ce jour. Tu n'as plus de liberté. Et dans ce siècle là, vous tous qui êtes dans ce cas, je vais vous affranchir au nom de Jésus-Christ. Et quand j'étudie, je lis, je révise, je récite, je réécris. C'est ainsi qu'on se rappelle. Parfois, les jeunes, on se demande,
pasteur, tu avais dit cela que tu as oublié. Non, je fais la révision. Alors, je lis, je révise, je revois la chose. Alors, c'est ce qui me fait de me rappeler. Numéro 1, ça, c'est l'égocentrisme. Numéro 2, c'est quoi? C'est l'obstination. Numéro 3, c'est la séparation. Numéro 4, c'est le péché social. Alors, numéro 5, c'est l'esclavage. L'esclavage. Numéro 6, la souffrance. Allez, commencer à souffrir. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a rien à manger. Et même, si elle est à la maison, il y a de nourriture. Mais parce que là-bas, il y a la souffrance. Le péché conduit à la souffrance. Quand on a le péché, il y aura la souffrance, l'esclavage. C'est pourquoi on vous présente le salut. Que si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, si tu veux naître de nouveau, si tu veux être sauvé, lève ta main. Il y a des jeunes qui ne comprennent pas parce que il veut que je me joigne à leur église. Il veut que je fasse ceci. Non! Nous voulons que tu sois libre. Vous serez libre ce jour. Quand je parle de liberté, je parle d'être libre pour réussir, pour monter. Ouais. Quand vous essayez de monter à l'échelle, et il y a un grand fardeau à ton dos, plus je t'aide à ôter ton bagage pour que tu montes, cette année, vous allez monter. Cette année, vous allez monter. Y a-t-il quelqu'un qui monte cette année? Où êtes-vous? Y a-t-il quelqu'un qui monte cette année? Où êtes-vous? C'est pourquoi c'est ce que je vous dis. Ouais, c'est fardeau à votre dos, le fardeau de condamnation, de péché sera ôté. Et je vous libère à au succès. Vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. Et finalement, numéro 7, la honte et l'angoisse. Lorsque il est arrivé là-bas, regardez la honte et regardez là où l'enfant est maintenant. C'est pourquoi il est revenu à lui-même disant que ceci va changer. Cette vie doit changer. Ce que je dis que je ne vais pas faire, voici maintenant ce que je fais. Je reviens, je retourne à mon père. Il est retourné et quelque chose de bon lui était arrivé. Comme vous revenez, quelque chose de bon vous arrivera au nom de Jésus-Christ. Numéro 2, maintenant, c'est la restauration pratique d'un jeune converti. La restauration pratique d'un jeune converti. Voilà le verset 17 ici. Verset 17. Que tout le monde dise verset 17. Luc 15, 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, comme des mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Répétez cela après moi. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Encore. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Répétez encore cela. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. C'est ce que j'aime que ce garçon a fait. Il a dit que je me laverai et j'irai. Et puis il s'est levé et il est allé. Certains ont une bonne intention, mais il n'y a pas d'action. Chaque fois, oui, je me laverai et j'irai. Une bonne intention, je me laverai et j'irai. Une bonne intention, je me laverai et j'irai. Une bonne intention. Tout d'abord, le 1er février est passé. Il n'y a pas une bonne intention, il n'y a pas d'action. Et deuxième, 12 février, une bonne intention. Chaque fois que tu dis cela, mais lève-toi et fais cela, non? Je vais donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est une bonne intention, l'action. Lève-toi et fais cela, je serai sauvé. C'est une bonne intention, lève-toi et fais cela. Je serai maintenant sérieux cette année. Je serai une bonne fille, un bon garçon. Lève-toi et fais cela. Je vais maintenant servir le Seigneur. Tout ce que j'ai lu dans la Bible, tout ce que maman m'a enseigné, papa m'a enseigné, le pasteur m'a enseigné, les dirigeants m'ont enseigné. Je vais, lève-toi et fais cela. Il a une bonne intention, mais en suivant cela avec action, intention plus action donne réalisation. Dis cela après moi. Intention plus action donne réalisation. Donc, si on veut réaliser, il faut joindre l'intention à l'action. Je vous ai lu l'histoire de ce garçon-là. Je vais encore traverser. Oh, parcours sera tout d'abord. C'est la réalisation. Il a reconnu. Oui, il a admis
Oui, oui, ce lieu que je suis maintenant n'est pas le meilleur pour moi. Oui, je dois être plus élevé que mon niveau maintenant. Qu'est-ce que je fais ici? Ce n'est pas mon lieu. C'est cette réalisation qui fait que l'on dit que je dois faire quelque chose. Cette année sera différente. Et comme je vous vois, cette année sera différente pour vous. Je dis, cette année sera différente pour vous. Au fait, je suis ici pour vous. Et je vais vous prendre hors de cette fosse. Et nous serons au sommet de la montagne ensemble. Par la grâce de Dieu, vous allez revenir encore. Et lorsque je reviens, et si je peux vous saisir comme ça, ça va, ça va, ça va. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Et je peux vous montrer. Si vous allez quelque part et quelqu'un a été là avant vous, la personne peut prendre votre main disant, allons-y, je vous amène là-bas, le sommet là-bas, j'étais là, et je vais vous amener là-bas. Mais cela commence par le numéro 1, quoi? La réalisation. 2, c'est la résolution. Je me laverai et j'irai. Dès qu'il a reconnu cela, que ceci n'est pas ma place, ceci n'est pas assez bon pour moi, et puis il a résolu. Et puis nous avons aussi la reconnaissance. Il a reconnu, je reconnais là où je dois être, je reconnais mon lieu que je dois être. Et mon père a beaucoup de mercenaires qui mangent, moi je meurs de faim ici, ceci ne doit pas être. 4, c'est la repentance. J'ai fait quelque chose de mauvais. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et puis il est retourné à son père. Je vais retourner. Je vais retourner. Disait cela après moi. Je vais retourner. Encore, je vais retourner. Regardez ici. Regardez ici. Parfois, lorsqu'on est jeune, on lit chaque fois que lit, je suis fatigué, et puis tu jettes ton livre et tu vas maintenant au terrain de jeu, c'est pour jouer au ballon. Tu as même oublié de revenir à la maison, même tu as passé la nuit dehors. Papa dit, maman dit que où est mon fils, où est ma fille, où est ma fille. Et puis tu n'es pas dérangé, tes livres sont là, tu as oublié tes livres, et puis tu es comme, qu'est-ce que je fais ici? Papa est à la maison, maman est à la maison, mes frères sont là, les livres sont à la maison, tout le monde est gêné à cause de ceci. Pourquoi ceci? Je vais retourner. Je me lèverai. Je vais retourner. Je vais retourner. Quelque chose de bon vous attend. Quelque chose de merveilleux vous attend. Et lorsque vous retournez et que vous reprenez ces livres, vous embrassez maman, vous embrassez papa, je suis désolé de tout. Et notre père qui est aussi que papa, je suis désolé. Dès que tu dis que tu es désolé, tout est pardonné et oublié. Maintenant, tout péché que vous aurez commis, dès que vous dites au Seigneur que vous êtes désolé, vous serez pardonné au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si je peux vous prendre, mais lorsque je préparais le message, vous pourrez ne pas comprendre ce que je vous dis. Et je me suis dit qu'on apprend par de nouveaux mots. Je dis, nous apprenons par de nouveaux mots. Est-ce que vous acceptez cela? Il y a parfois, vous ne connaissez pas de vocabulaire, vous ne savez pas ce qu'on appelle « viens ». Mais la première fois que tu l'as entendu, qu'est-ce que ça veut dire? Lève-toi. Et tu vois les gens se lever. Hein? Cela veut dire que, ok, donc si tu es comme ça, on fait comme ça. Donc on se lève, n'est-ce pas? Laisse qu'on dit encore, donc tu comprends que mon mot qui suit, c'est la régénération. Que tout le monde dise « régénération ». Vous savez ce qu'on appelle le générateur, un groupe électrogène. Qu'est-ce que le groupe électrogène fait? Qu'est-ce que cela fait? Lorsque on met en marche cela et que tout est sombre, et on va là-bas, on dit vous. Et soudain, et partout, tout est clair, tout est illuminé. Lorsque vous êtes régénéré, c'est comme un nouveau générateur est entré en vous. Cela va générer le succès, la puissance, la vie, l'enthousiasme, la satisfaction, la régénération. Que tout le monde dise régénération. Le ciel va générer la puissance en vous, l'autorité en vous. Et si vous êtes malade, il y a la régénération. Et si ce jour, la guérison sera générée en vous au nom de Jésus.
quand vous êtes né de nouveau, vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Il y a la régénération. Vous aurez une nouvelle vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 6, c'est la réconciliation entre ce garçon et son père. Entre ce garçon et la famille, la réconciliation. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de séparation. Maintenant, nous sommes ensemble. Il est revenu à la maison. Maintenant, ils sont tous ensemble. Le père a dit quelque chose de surprenant. Me vois, moi, mon fils qui était mort, maintenant, il était perdu. Maintenant, il est en vie. Il a repris vie. J'appelle cela la résurrection. Vous allez ressusciter ce jour. Vous allez vous lever ce jour. Personne n'ensevelira votre talent. Ce talent va ressusciter. Personne n'ensevelira votre talent. Ce don-là va ressusciter. Tout ce qui est enseveli sera ressuscité ce jour au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est revenu, c'est pourquoi toutes ces choses se sont produites. Avant d'avancer, nous allons encore réviser cela. Numéro 1, c'est la réalisation. 2, la résolution. Numéro 3, la reconnaissance. 4, la repentance ou le retour. 5, c'est la régénération. C'est mon mot. Je dis c'est mon mot. Est-ce que c'est votre mot? La régénération. La puissance régénérée en vous au nom de Jésus-Christ. Numéro 6, la réconciliation. Numéro 7, la résurrection. Ce garçon a reçu le meilleur. Maintenant, je vais parler de l'aîné. Maintenant, le garçon est né. Je vois maintenant la révélation profitable d'un jeune engagé. La révélation bénéfique pour un jeune engagé. C'est comme j'ai des jeunes engagés ici. Où sont-ils? Ah, je vous vois maintenant. Gloire à Dieu, vous êtes engagés, consacrés. Gloire à Dieu, vous êtes des gens engagés. Voilà le verset 25 qui dit: Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les chants. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. 27. Ce serviteur lui dit: Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père: Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Dites-moi le reste de ce verset, et tout ce que j'ai est à toi. Encore, dites-le-moi très bien. Et tout ce que j'ai est à toi. Encore, dites-le-moi très bien. Et tout ce que j'ai est à toi. Et tout ce que j'ai est à toi. Je vous rappelle, c'est le portrait du Père Céleste nous parlant, nous qui sommes convertis, consacrés, engagés à lui. Nous ne savons pas cela. Et ce garçon est là à tout moment. Il dit que oui, je suis diligent, je suis fidèle, je suis loyal, consacré, engagé. Je suis ici à tout moment avec toi. Tu ne m'as jamais fait ceci. Il n'a jamais prié. Il n'a rien demandé de Dieu. Il sentait que oui, Dieu connaît mon besoin. Lorsque Dieu sait que j'en aurai besoin, il me donnera. Voilà ceci. Maintenant, numéro 1, il y a maintenant ici l'anxiété, mais l'inquiétude. Il revenait des champs, il s'inquiétait et dit que, mais qu'est-ce qui se passe à la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Alors l'inquiétude l'a poussé et il a appelé l'un des mercenaires. Il dit que c'est ton frère qui est de lui dire quoi? Après cette inquiété, on a quoi? On a la colère. Et alors maintenant, il se comparait à lui. Que voici, ce garçon, maintenant, il est parti, il est revenu, on lui donne ceci. Qu'est-ce que j'aurai? Parfois, on a peur, on ne pense pas. Je crois que quelqu'un est malade.
Lorsque la personne est malade, la personne ne respire pas bien, la personne s'améliore maintenant, la personne respire bien maintenant. Si je ne comprends pas, je vais dire que parce qu'il respire bien maintenant, alors il inspire l'oxygène qui va décroître l'oxygène que moi j'ai. Non, quel que soit l'oxygène qu'il inspire, moi j'ai aussi l'oxygène à prendre pour moi-même. Quand on va à un marigot, et je suis surpris, celui-ci est venu avec un grand seau et il puise. J'ai peur. Est-ce que je peux trouver assez d'eau à prendre? Quels que soient les tonneaux qu'il a amenés, lui aussi a assez d'eau à prendre. Moi aussi, j'ai assez d'eau à prendre. C'est pourquoi il ne faut pas être jaloux de quelqu'un. Il est ignorant. Il croit que comme tout ceci se passe, tout ceci va à mon frère cadet, qu'est-ce qui m'attend? Le père dit non. Tout l'air est resté là pour toi. Tout le sol est assez solide pour toi de courir. Toutes les montagnes sont plus élevées pour toi de pouvoir monter. Toute la nourriture est là pour toi manger. Le succès est là pour toi. Tout ce que j'ai est à toi. Et maintenant, tout est à toi. Le salut est à toi. La sainteté est à toi. La guérison est à toi. La délivrance est à toi. Vous savez, l'autre personne aura son miracle, gloire à Dieu. Son miracle n'empêche pas mon miracle. L'autre aussi va réussir, gloire à Dieu. Son succès n'empêche pas votre succès. Le cadet est venu, la meilleure robe lui a été donnée, gloire à Dieu. Mais de ce que les autres ont n'empêchera pas votre bénédiction. Vous aussi, vous aurez votre bénédiction au nom de Jésus-Christ. Numéro 3, accusation. Le jeune homme commençait à accuser son père. J'ai été avec toi tout ce temps. Tu ne m'as pas donné ceci et cela. Numéro 4, c'est l'attitude. Attitude. Une mauvaise attitude. Il ne va pas aller à la maison à cause de cela. Je ne vais pas rentrer à cause de cela. Et le père doit sortir et lui parler. C'est ce que j'aime ici. Le garçon, le fils cadet venait. Lorsque le père l'a vu de loin, le père a couru pour le rencontrer. Je voulais dire, nous tous qui sommes ici, qu'on soit le jeune ou bien l'aîné. Si vous êtes le plus jeune, quand vous venez, le père, papa, le père va courir et vous embrasser. Voyez, l'aîné est dehors, il ne veut pas entrer, mais le père est sorti et l'a embrassé. Voyez, le père aime les deux. Tu es ici, Dieu t'aime. Tu es à l'autre côté, Dieu t'aime. Tu n'es pas le meilleur que tu dois être, mais Dieu t'aime. Et tu es diligent et loyal faisant tout, et Dieu t'aime. Je veux vous déclarer maintenant, quel que soit là où vous êtes allé, d'où vous êtes provenu, quand vous êtes ici, je vois l'amour de Dieu devant vous. Et je vois que Dieu va pardonner vos péchés, il va ôter votre inquiétude, et vous sauver, vous guérir de votre maladie. Alors, que vous soyez le numéro 1 au numéro 2, que vous soyez là ou l'autre côté, vous et moi, ensemble, nous irons là-bas. Nous allons parvenir au sommet au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous avons le numéro 5, assurance. Tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. L'assurance. Il y a l'assurance dans mon cœur ce jour que le Seigneur ne vous rejettera pas. Lorsque vous venez au Seigneur, il va vous accepter au nom de Jésus-Christ. Numéro 6, abondance. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Pensez à la richesse du Père Céleste et que tout ce que j'ai t'appartient. Vous aurez quelque chose ce jour. Vous n'allez pas rentrer les mains vides au nom de Jésus-Christ. Et puis, le verset final ici, le dernier verset est dit. Le dernier verset, chapitre 15, verset 32. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Ce qu'il avait dit, il l'a affirmé. Nous l'appelons affirmation. Le Seigneur va affirmer sa bénédiction dans votre vie ce jour au nom de Jésus-Christ. Avant de prier, donne-moi le numéro 1, inquiétude. Numéro 2, colère. Êtes-vous jamais énervé? Êtes-vous jamais fâché? Parce que je me suis énervé
je me suis fâché auparavant, Dieu me regarde comme un fils fâché, est coléreux, une fille est coléreuse. Il n'y a pas de miracle pour moi. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, quelque chose s'est passé et puis je me suis irrité. Ce garçon s'est irrité, mais le père l'a abordé. Dieu n'aime pas votre colère, mais il vous aime. Mais je dis, il vous aime. Et dit, je vais pardonner cette colère. Ça, c'est votre ignorance, c'est votre imperfection. Je vais pardonner cela et vous bénir. Et votre bénédiction est ici au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, inquiétude. Toutes vos inquiétudes et vos soucis, amenez cela au trône et laissez cela. Il n'abandonnera aucune âme. Et il va ôter toutes vos inquiétudes au nom de Jésus-Christ. L'accusation, tu accuses le Seigneur. Il n'a pas fait ceci avec moi. Il y a une mauvaise habitude. Dieu a tout oublié. Le pardon vous attend ce jour. Et puis après, sera l'assurance, l'abondance et l'affirmation. Je viens vous affirmer ce soir que maintenant que la bénédiction de Dieu coule dans votre vie au nom de Jésus-Christ, que vous soyez représenté par le premier ou le deuxième, les deux ont le meilleur, car toute chose est disponible pour vous. Êtes-vous prêt maintenant? Je dis, êtes-vous prêt maintenant? Alors, fermez la Bible. C'est ce temps de prière. Voici votre temps. Voici votre temps. Voici votre temps. Vous allez dire au Seigneur que si vous êtes égaré, si vous êtes séparé de la maison, séparé du Père, dit, Père, je reviens. Père, je reviens. Père, je reviens. Pardonne-moi. Pardonne-moi, le Seigneur va vous pardonner maintenant. Il va vous donner le salut. Il va vous donner le salut. Et lorsqu'il vous donne le salut, toutes les bénédictions que vous demandez, toutes les bénédictions que vous voulez, le Seigneur le fera pour vous. Priez le Seigneur. Voici le jour de bénédiction. Voici le jour du salut. Voici le jour de miracle. Voici le jour de restauration. Et cela vous arrivera maintenant. La bénédiction du Seigneur. Gloire à Dieu. Quel que soit là où vous étiez, ce que vous avez fait, Dieu vous aime. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tout le monde dise, tête baissée, les yeux fermés. Je vous donne l'occasion de revenir. Je me lèverai et j'irai. Et je dirai à mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et le pardon du Seigneur vous arrivera dès que vous levez la main. Où êtes-vous? Levez la main. Amen. Amen. Le pardon, le salut, la régénération, une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Dieu est si bon et aimable. Il va vous pardonner. Je vais prier pour vous. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ton amour. Merci parce que tu ne rejettes personne, que ce soit le premier fils ou le deuxième fils. Tu reçois tout le monde. Je prie pour ces garçons, ces filles, tes enfants, tes créatures. Je prie que tu leur pardonnes au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu vienne dans leur cœur. Que l'assurance du pardon soit dans leur cœur. Je prie que ton salut leur advienne au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu rende témoignage dans leur cœur qu'ils sont enfants de Dieu et donne-leur la grâce de vivre dans la famille de Dieu en tant que de vrais enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Confirme ton amour dans leur cœur. Je te remercie parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je crois. Je dis je crois. Je dis je crois. Je dis je crois. Je crois que vous êtes pardonné. Je crois que vous êtes sauvé. Vous allez jouir du salut au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le Seigneur dit, tout ce que j'ai est à toi. Il a la guérison, c'est à toi. Il a la délivrance, c'est à vous. Il a le miracle, c'est à vous. Il a le succès et le succès est à vous. Est-ce qu'on peut avoir le miracle maintenant? Qui veut le miracle maintenant? Très merveilleux. Très merveilleux. Vous l'aurez maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute maladie dans votre corps sera ôtée par le Seigneur maintenant. Père, au nom de Jésus,
Je te remercie à cause de ta puissance de miracle. Je demande que tu touches chaque garçon, chaque fille et enlève les infirmités et les maladies au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce soit le moment de leur miracle. Cette maladie, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Cette faiblesse dans le corps, je te commande, sors de là au nom de Jésus. Quel que soit le miracle dont ils auront besoin, je prie que tu leur donnes cela maintenant. Touche leur cerveau, touche leur esprit. Seigneur, je prie que tu leur accordes un avenir prometteur au nom de Jésus. Je prie que toutes les ressources du ciel, tous les miracles du ciel, la puissance du ciel viennent dans leur vie. Je prie, Seigneur, que l'affirmation de ta parole, qu'ils réalisent cela à partir de ce jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, au nom de Jésus-Christ. Déverse ta bénédiction sur tout le monde. Soyez guéri. Soyez délivré. Soyez affranchi. Recevez votre miracle maintenant. Merci Seigneur parce que c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Où êtes-vous? Je l'ai reçu. J'ai reçu quelque chose. Que Dieu bénisse chacun de vous.